Salut à tous, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, on va parler de limites de fonction, de théorème de comparaison et de théorème des gendarmes. Donc, on va faire les choses en deux temps. Commençons par parler du théorème de comparaison. Un théorème assez intuitif, vous allez le voir. On a besoin pour ça de deux fonctions, f et g, définies au voisinage d'un nombre alpha. D'un nombre ou pas forcément d'ailleurs. Alpha peut être un nombre fini, petit a, ou alors carrément l'infini. Plus l'infini ou moins l'infini. En revanche, ces deux fonctions doivent vérifier la chose suivante, f de x inférieur ou égal à g de x au voisinage de ce fameux alpha. Eh bien, trois choses. Si la limite de f de x quand x tend vers alpha est égale à plus l'infini, alors la limite de g de x quand x tend vers alpha sera également plus l'infini. C'est assez intuitif, je vous le disais, puisque, étant donné que les valeurs de f de x sont plus petites que les valeurs de g de x au voisinage de alpha, quand on passe à la limite, on a un ordre de grandeur qui est respecté. A contrario, si la limite de g de x, cette fois-ci, quand x tend vers alpha est égale à moins l'infini, la limite de f de x, quand x tend vers alpha, sera égale à moins l'infini également. Attention, pas de mix, si la limite de f de x, quand x tend vers alpha est égale à moins l'infini, eh bien, on ne peut pas conclure sur la limite de g de x. Dernier point, si la limite de f de x est égale à L et la limite de g de x est égale à L', alors on a le même ordre entre L et L' qu'entre les valeurs de f de x et de g de x, donc L inférieur ou égal à L'. Petit exemple tout de suite. Limite de 3x moins 2 plus cos x en plus l'infini. Donc moins alpha ici, c'est plus l'infini. Commençons par comparer. Réflexe cosinus x, c'est compris entre moins 1 et 1 pour tout x réel, donc en particulier au voisinage de plus l'infini. On va rajouter de chaque côté, sur chacun des termes, plutôt 3x moins 2, donc 3x moins 2 moins 1, inférieur ou égal à 3x moins 2 plus cos x, inférieur ou égal à 3x moins 2 plus 1. C'est-à-dire 3x moins 3, inférieur ou égal à la quantité qui m'intéressait, inférieur ou égal elle-même à 3x moins 1. Laquelle utiliser? Si je me concentre sur 3x moins 1, la limite de 3x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc je pourrais conclure quoi sur la limite de 3x moins 2 plus cos x? Eh bien, pas grand chose. En revanche, si je m'intéresse à la limite de 3x moins 3, je sais que c'est plus l'infini en plus l'infini, petite fonction affine. Donc la limite de 3x moins 2 plus cos x, ce sera également plus l'infini vu qu'elle est après. Théorème de comparaison très pratique. Dans la même veine, on va voir maintenant le théorème des gendarmes. Pour ça, il nous faut trois fonctions, f, u et v, définies sur un voisinage de alpha. Alpha, pareil, ça peut être un nombre, a, fini donc, ou l'infini. Et donc, qui vérifie u de x inférieur à f de x inférieur à v de x. Et donc, mes gendarmes, c'est les fonctions u et v qui encadrent la fonction f. Et bien, si la limite de u de x, c'est égal à la limite de v de x quand x tend vers alpha, qu'elle vaut par exemple L, un nombre fini, donc, alors la limite de f de x, ce sera également L. Même limite pour f que pour les deux gendarmes. Exemple, limite quand x tend vers plus l'infini, donc moins alpha c'est plus l'infini, de sinus x sur x. Vous savez que sinus x n'a pas de limite, en revanche, sinus x sur x va en avoir une. Pourquoi? Parce que sinus x est compris entre moins 1 et 1 pour tout x appartenant à R. Et donc, sinus x sur x, je divise de chaque côté par x. J'ai le droit de le faire parce que x est non nul et que x en plus est strictement positif, voisinage de plus l'infini. J'obtiens donc sinus x sur x coincé entre moins 1 sur x et 1 sur x. Or, limite de ces deux fonctions, moins 1 sur x et 1 sur x, en plus l'infini valent 0. Donc, on invoque le théorème des gendarmes pour conclure que la limite de sinus x sur x, en plus l'infini, c'est 0. Je vous laisse vérifier sur calculatrice. Voilà pour ce petit format court. J'espère que tout aura été clair. Ces deux théorèmes sont vraiment importants et très pratiques à utiliser. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.